Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue. C'est LPAG avec vous aujourd'hui pour le début d'une nouvelle aventure sur la chaîne. Alors, je m'excuse d'avance pour ceux qui attendaient aujourd'hui une vidéo The Witness, mais malheureusement, le Let's Play The Witness, on va devoir le laisser tomber, puisque j'ai essayé de faire la vidéo d'après, sauf que je me suis retrouvé complètement bloqué, j'ai recommencé trois fois de suite, et c'est pas possible de faire The Witness en vidéo. Pourquoi ? Alors, c'est pas que le jeu est trop dur, j'aurais largement pu y arriver tranquillement. Le seul problème de The Witness, c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde. Et donc ça m'oblige à commencer l'épisode et à avancer dans le jeu en épisode, sans pouvoir me préparer avant. Et donc ça devenait beaucoup trop compliqué, la zone avec les cabanes dans les arbres, là j'ai essayé de la faire. Je me suis retrouvé bloqué pendant un quart d'heure, je peux pas me préparer avant la vidéo, donc c'est juste pas possible en fait. Et ça aurait été comme ça à chaque vidéo, donc je me suis dit dans quoi je me suis embarqué. Donc malheureusement pour les fans de The Witness, eh ben il n'y aura pas de l'espèce The Witness. Mais rassurez-vous, attention, on perd The Witness, mais on gagne quelque chose de vraiment pas mal. Puisque voici Xing The Land Beyond. Alors qu'est-ce que c'est que Xing The Land Beyond? C'est un jeu qui est sorti en 2017, donc très récent, et c'est un Mislike. Effectivement, c'est un Mislike, vous allez voir, la ressemblance est assez frappante. On voit la ressemblance, parce que j'avais envie, voilà, j'étais un petit peu déçu de ne pas pouvoir faire The Witness, donc je me suis dit, il faut que je retrouve un Mislike récent, parce que c'est ça que j'avais envie de vous faire en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas faire Xing The Land Beyond. C'est un jeu que je connais absolument pas. Je vais faire le let's play au fur et à mesure, c'est-à-dire comme j'ai fait pour Atlantis. C'est-à-dire, je joue au jeu un petit peu, et ensuite je fais la vidéo. J'avance encore un peu plus dans le jeu, et je fais la vidéo. Voilà, donc là je sais pas comment ça se finit, je sais pas comment ça avance. Je sais juste ce qui va se passer dans chaque vidéo en fait. Mais je sais pas plus loin. Donc je peux pas vous dire si le jeu est bien, si ça va se finir bien, mais en tout cas, ce que j'ai joué jusqu'à maintenant, c'est comme ça, je peux vous dire que c'est comme ça. Si vous aimez les mislikes, si vous aimez explorer des mondes magnifiques avec des petites énigmes à l'intérieur qui sont beaucoup moins compliquées en tout cas que dans The Witness, c'est exactement ce qu'il faut. Et il y a des sauvegardes, donc cette fois-ci, rassurez-vous, ce let's play, je vais le faire jusqu'au bout. Alors on commence. Ah putain. J'ai baissé le son pourtant. Non, c'est bon. Voilà, donc là vous voyez, regardez, on a trois sauvegardes en plus, hein, vous voyez, là forcément. Là, j'ai pas d'excuse pour pas vous faire le let's play. Alors, qu'est-ce que c'est que Xing The Land Beyond? C'est un jeu qui est censé nous raconter ce qui se passe après notre mort. Puisque dans le jeu, on est mort. Et on est coincé entre le monde des vivants et l'au-delà, on est coincé entre les deux. Et il va falloir qu'on explore quatre mondes. Un petit peu comme dans Myst, on explore quatre âges. Là, on va explorer quatre mondes. Et sur chaque monde, on va devoir comprendre ce qui s'est passé. Il y a d'autres personnes qui sont mortes sur les mondes où on va aller, et on va essayer de comprendre ce qui leur est arrivé, comprendre voilà, leur histoire, pour qu'on puisse nous aussi, à la fin, passer dans l'au-delà. Okay, donc on est coincé, on va essayer de voir un petit peu ce qui est arrivé aux autres morts des mondes qu'on a, et comme ça on pourra passer dans l'au-delà. Donc ça c'est l'histoire du jeu, c'est comme ça que ça se passe dans le jeu. Alors on a plusieurs sauvegardes, alors les paramètres je crois que j'avais tout bien réglé, oui j'ai tout bien réglé, vous voyez que ce jeu est VR, donc disponible VR. Et vous allez voir d'ailleurs que les interactions qu'on peut avoir avec les objets sont très très VR. C'est un petit peu chiant dans un jeu qui est pas VR, enfin quand vous jouez pas en VR, mais ça va, il n'y a rien de compliqué. Donc j'ai fait, donc vous voyez, ça c'est ma sauvegarde pour préparer le jeu, pour préparer les épisodes. Et donc maintenant on va faire le jeu ici. Comme ça je pourrais m'entraîner ici et faire le jeu ici. C'est beaucoup plus pratique que sur The Witness. Hein. The Witness, il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a rien. C'est infernal. C'est juste chiant comme pas possible. Si vous faites un let's play The Witness en vidéo, bon courage. Bon courage. En stream, il n'y a pas de problème, mais en vidéo, c'est trop chiant. Quoi. Donc voilà. Là, cette fois-ci, vous allez voir que le jeu est très très bien. Alors on va aller sur cette sauvegarde. Et donc voilà. Alors le jeu est totalement en anglais, mais rassurez-vous, je vais vous traduire. Hein. Si jamais vous comprenez pas, pour que vous puissiez quand même comprendre l'histoire des esprits qu'on va, sur lesquels on va enquêter dans chaque monde. Et vous voyez que vous pouvez choisir un animal, l'avatar qui va vous représenter, je pense, dans le jeu. Donc ours, oiseau, félin, donc chat, vulpès, je sais pas ce que c'est, renard peut-être, éléphant, dauphin, voilà, chien. Équidé, donc cheval, panthère, un espèce de narval là, un lapin. Ah, un lapin! Ah, je vais faire un lapin. Rhinocéros, loup,
tigre, serpent et squale en grand cas. Alors je sais pas à quoi ça sert, je suis pas encore allé jusqu'au bout du jeu comme je vous dis, donc je sais pas du tout si ça change quelque chose de prendre tel ou tel truc. Vous voyez que dans ma première partie j'ai pris un loup, mais là j'aime bien les lapins, donc je pense que je vais prendre un lapin. Ça serait pas mal de faire un lapin, allez c'est parti. Je suis un lépus, un petit lapin. Voilà, et donc voilà, donc là vous voyez, on a ici on peut voir un petit peu notre progression dans les quatre mondes. Ça sera un petit peu ce qu'on va, ça sera notre progression qui sera affichée ici, et on peut la voir dans le jeu aussi. Donc je pense qu'il est temps de débuter, on va un petit peu, vous allez voir que le gameplay est très très lent, très calme, très reposant. Les, pour le début en tout cas, les énigmes sont pas du tout compliquées, et ça fait du bien, ça fait du bien. Après avoir essayé de faire une vidéo The Witness ce matin, là je peux vous dire que j'étais très content de faire ce jeu. Ce jeu va être génial, je pense qu'il va être vraiment très très bien. Et j'ai hâte de voir la fin, parce que vu l'histoire, vu ce dont ça parle, j'ai hâte de voir comment ils finissent le jeu. Ça peut être pas mal, je pense. Donc, bah écoutez, on est parti pour notre petit lapin. Voilà, Xing the Land Beyond. Un jeu que je connaissais pas du tout. J'avais jamais entendu parler. Et c'est un Mislak. On va voir à quoi ça ressemble. Ok. Alors il faut que je me mette en clavier anglais. Voilà, alors on arrive ici. On est dans un petit un petit endroit. Alors attendez, je vais quand même monter un petit peu le son peut-être. Voilà. Parce que j'entends pas mes pas en fait. Ok, c'est un peu mieux. Voilà, donc là vous voyez, on a une porte étrange. Donc là vous voyez, là on est dans un monde totalement blanc et tout. Donc ce qu'on s'attend à voir après la mort. Hein. Donc là on vient de mourir en fait. On tombe sur cette porte avec ce petit mécanisme qu'on peut pas actionner encore. Donc cette porte apparemment on ne peut pas, on peut rien en faire pour le moment. Donc notre voyage va commencer ici. Alors je sais pas, oui on peut voir derrière la porte ici en fait. Si j'essaye de passer à côté de la porte, parce que vous vous dites pourquoi passer dans la porte si on peut passer à côté. Mais non. Regardez. Je peux pas passer à côté. Donc, c'est par ici qu'il faut commencer notre aventure. Et vous allez voir que ça va être un sacré voyage. Ah. Regardez ça. Nous voici dans les... dans des îles flottantes. Exactement ce qu'on pense voir quand on meurt en fait, oui. C'est... Je m'attendais à voir Saint-Pierre, mais apparemment il est pas là, c'est dommage. Alors on peut courir hein, avec Shift. Sauf que vous voyez que, en fait, là je marche, et là je cours, vous voyez, donc c'est pas très très différent. Mais bon. Alors le jeu est magnifique, hein, vraiment. Attendez-vous à voir des paysages magnifiques. Et là, regardez, première chose intrigante sur laquelle on tombe, une espèce d'inscription avec un langage bizarre qu'on ne comprend pas, donc il va falloir se renseigner pour essayer de comprendre ça, hein. On peut rien faire pour le moment. On va explorer, alors là, là je peux vous dire, si vous aimez pas les let's play où on explore, là c'est pas vraiment le genre de let's play où il faut être, parce que je vais passer mon temps à regarder, hein. Alors là, c'est tellement beau que... C'est vraiment superbe. Oh, j'adore, trop trop bien. Alors, avançons par ici. Alors là il y a un... Ouais. Vous voyez, on a un symbole là-dessus. Un soleil avec une lune à l'intérieur. Gardez ça à l'esprit parce que ça va être très présent dans le jeu. Et d'ailleurs, si vous regardez le titre du jeu... Le titre du jeu Xing the Land Beyond, je crois qu'il y a ce logo là juste à côté. Au début je crois que c'était ça. Alors là vous voyez qu'on peut sauter aussi en faisant espace, donc c'est cool. Oh! Nice. Un pont qui se matérialise. On passe sur une autre île. Et on a même un petit zoom disponible. Vous voyez comme ça. Ce qui va peut-être nous servir, je sais pas. Ah, une autre inscription.
De toute façon, c'est un jeu d'exploration, donc vous devez explorer, hein. Vous devez tout regarder. C'est comme ça qu'on va faire. C'est juste superbe. Ok, donc toujours rien à faire avec ces inscriptions. Est-ce que de l'autre côté, on a quelque chose? Ah bah oui, une autre inscription encore. Donc il y en a trois au total. Je sais pas s'il y en avait une au tout début. Enfin, il y en avait une autre. Parce que j'ai regardé à gauche, mais j'ai pas regardé à droite ici. 8. Oups. Voilà. J'ai regardé de ce côté. Voilà. J'ai pas regardé de l'autre côté. Si, j'ai regardé de l'autre côté. Ouais, y'en a pas de l'autre côté. Ok. Yup. Ah, j'arrive pas. On saute pas très haut par contre. Hein. Et voilà. Donc là, on arrive dans cette zone maintenant. Cette zone qui s'appelle Zénith. Qui est le zénith, on pourrait dire. C'est-à-dire le hub, l'endroit où on va accéder aux quatre différents mondes. Puisque vous voyez que derrière chacune de ces portes, on a l'accès à un monde. Oh, oh mon lapin. Oh, 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 oh. On a notre petit symbole lapin qui est là. Je vais pas le prendre tout de suite, hein. On va juste explorer un petit peu. Donc dans ce jeu, il va falloir progresser et on va découvrir en fait l'histoire des personnes qui vivaient à cet endroit sur les mondes qu'on visite. On va découvrir l'histoire des personnes qui vivaient là, des morts qu'il y a eu là, avec des tablettes. Donc il va falloir récupérer plein de tablettes qui vont nous renseigner sur ce qui s'est passé. Il va falloir trouver des petites billes rouges, vous voyez, comme ça là, ici, ici et là. Ces billes rouges en fait sont des indices pour les énigmes qu'on aura à faire. Ça nous donne des petits indices très vagues, mais qui nous aident. Ok. Et on aura à récupérer aussi des runes. Et ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Je vais juste faire le tour un peu de cette zone. Justement, là derrière, ouais. Donc voilà, donc vous voyez, on retrouve la même structure que dans Myst. C'est-à-dire, Myst, c'était l'île principale à partir de laquelle on pouvait aller sur quatre mondes. Et bien là, c'est pareil. On a cette zone, Zénith. À partir de laquelle on peut aller dans ce monde-là, ce monde-là, ce monde-là et ce monde-là. Et on va commencer par celui-là. Je vais juste avancer au bout, là. On a encore une inscription ici, apparemment. Ouais. Et de ce côté, une porte. Voilà. Pour entrer dans la forêt, vous devez collecter une rune. Vous voyez qu'on a plein de runes ici. Il y en a combien en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26! Il me semble qu'il y a 26 runes à collecter. Et ces runes sont réparties dans les 4 mondes, tout simplement. Donc une fois qu'on les aura toutes, je pense qu'on pourra débloquer cette porte et entrer dans la forêt, puisque là, vous voyez que c'est fermé. Ah, encore une inscription. Et d'ailleurs, est-ce que vous remarquez pas un truc là, déjà? Sur ces inscriptions, est-ce que les lettres ressemblent pas aux runes qui sont là? On va prendre une lettre au hasard, genre celle-là, là, cette espèce de 5 à l'envers avec un petit un tilde au-dessus. Est-ce qu'on n'a pas un 5 à l'envers avec un tilde au-dessus? Là, il y a un 5 à l'envers, vous voyez. Ah oui, là, regardez, ici, regardez, vous voyez. Donc en fait, les runes qui sont là, ça va nous permettre aussi de déchiffrer les inscriptions, pardon. Ok, c'est cool. Ok, donc là, c'est les mondes. Je vais prendre mon petit symbole, là. Voilà, hop. Et je vais aller le placer dans l'eau, ici, regardez. C'est ici qu'il faut le placer, donc. On va le laisser tomber avec le clic droit, hop. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là. Ah, fallait que je sois dans le truc, ok. Ah mon dieu. Un golem. Bonjour à toi, vieil ami. Permets-moi de me présenter, je suis ton gardien. Est la seule chose vivante dans cet endroit.
Ok, salut gardien. Tu existes maintenant sur un autre plan, un zénith de tous les mondes, c'est pour ça que ça s'appelle zénith. Mais ne t'en fais pas, même mort, tu as beaucoup de choses à faire, et je serai là pour te guider à travers les bassins éparpillés, enracinés dans le sol. Donc ces bassins qui sont devant, je pense, là. Maintenant avance jusqu'à Istali Point, un oasis idyllique parmi les océans méchants, traîtres, et découvre ce que ça veut dire que d'être seul une nouvelle fois. Bah ça a l'air joyeux, on va y aller. Ok. Donc lui c'est notre gardien apparemment, alors peut-être qu'il y aura d'autres... Il a parlé de bassins éparpillés, donc peut-être qu'il y aura d'autres bassins comme celui-là, où il nous parlera, je sais pas. Donc ça, je peux plus y reprendre, ok. Et regardez ici, hop, on a un truc qui a été allumé juste devant la porte qui nous emmène jusqu'à Istali Point. C'est le premier endroit, le premier monde qu'on va explorer. Et c'est parti. Alors vous allez voir qu'il va y avoir encore une fois une téléportation à la Myst, hein. Vous allez voir ça. Hop. Encore ce symbole soleil et lune. La porte s'ouvre. Et on arrive face à cette jolie... Voilà, donc ça, je pense, c'est une image qui est censée représenter Istali Point, le monde dans lequel on va aller, avec un monde très... une île, en fait, exactement comme dans Myst. Et avec ce bouton, ça, c'est un bouton, hein, vous voyez. On va... on va casser ça, et on va pouvoir avancer. Ah. Téléportation. Dommage qu'il n'y ait pas le bruit. Oh. Un hologramme d'une femme apparemment. Oh, il disparaît. Eh ben regardez, nous voici sur Istali Point. Premier, c'est un nom bizarre pour un monde comme ça. Et c'est le premier monde qu'on va devoir visiter. Premier des quatre. Alors le jeu est assez long pour un jeu où il y a... qui a l'air assez simple comme ça au premier abord. Vous allez voir ça. Mais le jeu est quand même assez long. Alors voilà, donc nous voici sur Istali Point. Et apparemment, vous voyez que ça c'est l'appareil de téléportation qui nous permet d'aller de monde en monde. Et on a eu cet hologramme de femme là. Donc je pense que... Vous allez voir que ce qu'on va découvrir sur cette île, c'est l'histoire de cette femme qui est apparue en hologramme. On va découvrir son histoire. Et regardez ici, la première tablette apparaît. We were a small nomadic tribe. On these islands, we learned to thrive. We lived in harmony with the land, a people of the sea and sand. C'est très bien parce que vous voyez que les tablettes sont en poésie, avec des rimes à la fin, donc c'est très, très sympa je trouve. Et donc voilà, donc apparemment ces tablettes vont nous raconter l'histoire de Lua, L-U-A, vous voyez, c'est elle qui a signé, donc ça doit être la fille qu'on a vue en hologramme je pense, on va nous raconter son histoire. Donc apparemment elle faisait partie d'une tribu nomade qui habitait sur cette île, qui vivait en harmonie avec la nature, un peuple de la mer et du sable, donc elle faisait partie de cette tribu, voilà. On va nous raconter son histoire. Vous voyez que les petits points que vous avez tout en haut là, le petit point jaune qui est à gauche, ça veut dire qu'on a trouvé la première tablette. Ok ? Donc ces points vont s'allumer les uns après les autres. Si jamais on a un point qui s'allume pas, ça veut dire qu'on a manqué la tablette et qu'il faut la chercher. Voilà. Alors on va bien sûr explorer. C'est pas magnifique franchement. Vraiment superbe. Deuxième tablette. Scouting atop the waves one day, a looming storm swept us astray. We screamed and gasped to stay alive, but in the end, only I survived. Voilà ce qui s'est passé. Donc apparemment un jour ils étaient en train de, je sais pas, de pêcher sur les vagues, elle et sa tribu, et il y a un énorme orage qui s'est déclenché et qui les a tous éparpillés. Ils ont essayé de rester en vie, mais en fait à la fin il n'y en a qu'une seule qui a survécu, Lua. Donc celle dont on nous raconte l'histoire ici.
Sans doute la fille qu'on a vue en hologramme. Donc voici, justement, vous voyez que les tablettes sont placées dans des endroits... le bateau ici illustre ce qu'on vient de lire. Hein. C'est avec ce bateau qu'ils étaient en train de pêcher, je pense. C'est ce bateau qui l'a fait survivre toute seule. Donc gardez à l'esprit qu'on est mort, nous aussi. Hein. Donc, alors, peut-être qu'elle est morte, je sais pas si elle est morte ou pas, je sais pas. Mais je pense que oui. On doit enquêter sur ce qui s'est passé avant qu'elle meure. Pour essayer de comprendre et de nous élever jusqu'à l'au-delà, je pense que c'est ça. Alors voilà. Ici on a, regardez. On a une porte. Une porte avec un petit symbole ici, donc je pense qu'il va falloir trouver ce symbole-là pour ouvrir la porte. Logique. Alors on va regarder. Et ici on a encore un bouton. Qui nous fait monter ce petit escalier. Donc c'est cool. Et là, voilà, alors on va trouver pas mal de ces petits piédestaux, là, vous voyez, piédestal. On va trouver des piédestaux comme ceux-là, et vous voyez qu'il faut placer un objet à l'intérieur, un objet qui ressemble à ça. Alors là, l'objet est juste à côté, mais vous allez voir que certaines fois, il va falloir faire des énigmes pour... Des petits puzzles, des petits trucs, des obstacles en fait, qui vont nous empêcher de récupérer les objets tout de suite. Là, ils sont juste à côté, c'est cool. Hop, on les place ici. Et l'autre, hop. Donc là, vous voyez, c'est là qu'on voit que ce jeu est fait pour la VR. Parce que vous voyez, je prends l'objet, genre il est face à moi comme ça tout le temps. C'est un petit peu chiant, mais c'est parce que c'est fait, c'est un jeu qui est fait pour la VR en fait. Et vous pouvez aussi y jouer comme ça. C'est un petit peu chiant d'avoir le truc en face, mais c'est pas très grave. Oh! Ah, ça nous a matérialisé un coffre. Bon, on va aller voir le coffre. Bon, voilà, ça c'est un truc, c'est un petit truc qui est pas très compliqué pour commencer. Il y aura des objets à trouver comme ça et à placer sur des piédestaux. Objets plus ou moins éloignés, mais c'est sympa. Là, vous voyez encore une fois ces inscriptions là. Ouvrons le coffre. Et je récupère. Le premier symbole. Donc il me semble d'ailleurs que les symboles comme ça sont toujours dans des coffres comme ça. Et vous voyez qu'on nous indique qu'il faut le placer ici. Et si vous regardez bien le symbole, vous voyez que c'est le premier quart du symbole total en fait. Vous voyez. Donc il va falloir trouver 4 portes comme celle-ci. 4 quarts du symbole. Et une fois qu'on aura tout trouvé, normalement ça sera la fin du niveau. Voilà. Hop là. Ça va nous ouvrir la porte. Nice. Ah, ok. Tout. J'ai réussi. Voilà, donc ça c'était la première zone, vous voyez. Zone très simple. Hein. Donc toujours bien chercher les tablettes, les petits orbes rouges là, dont on n'a pas vu encore. Il y en a une juste après là. Et les runes. Alors, voilà, on a une tablette ici. Ah, regardez. Des espèces de ponts qu'on va devoir... placé correctement. Et regardez juste là-bas, ici, la première rune à récupérer. Et ici, voilà le fameux orbe rouge dont je vous parlais. Donc voilà, c'est ça que vous devez chercher à chaque fois, dans chaque niveau. Les orbes rouges, les runes et les tablettes. Alors on va regarder cet orbe, qui va nous donner un indice. Certains font leur meilleure réflexion la nuit. Donc avec cet indice, on comprend que la nuit va être importante, apparemment, pour ce monde. Ah, j'adore cette musique. Encore une tablette. For days, I tried to leave this place. On planks of wood, I tightly laced. But every time, as if on cue, a terrifying storm would brew, and darkened skies began to crack as the restless tides drew me back. Donc la pauvre Lua, seule survivante de sa tribu, a essayé de fabriquer un radeau. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc elle a essayé de fabriquer un radeau, elle a essayé de partir de l'île pour essayer de retrouver des gens ou de s'enfuir tout simplement. Et à chaque fois, apparemment, on a cet orage et ces vagues incessantes qui la ramènent sur Terre. Donc elle a essayé de s'évader, mais elle n'a pas réussi apparemment. C'est con ça. Ok, alors...
Je sais pas si j'ai manqué un truc rouge. Je crois pas que j'ai manqué des trucs ici. Non. Non. Okay. J'avais le souvenir d'une autre petite orbe rouge avant celle-là, mais apparemment pas. Donc attendez. Alors voilà. Et vous voyez que de toute façon les piédestaux s'éteignent une fois que vous les avez trouvés. Hein. Là par exemple, vous voyez celui-là est allumé et celui-là est éteint, ça veut dire qu'on l'a trouvé. Donc on se mélange pas, c'est ça qui est, bien fait d'ailleurs. Et là donc, je peux pas avancer, mais on a ce bouton qui va tourner le pont tout simplement. Donc vous voyez, hop, maintenant on peut passer. Cool. Et on a encore le symbole le soleil ici. Et ici le symbole lune. Bon, ok. Et voilà, il va falloir trouver un moyen d'aller jusqu'à cette rune. Et là, vous voyez que même si on pourrait penser que le pont ici, ce pont-là, le pont lune, doit pouvoir se tourner horizontalement comme ça, ce qui pourrait nous faire passer de là à là-bas, mais le pont, je sais pas, il m'a l'air un peu petit. Pour passer de là jusqu'à là-bas, en fait. Ça m'a l'air un peu petit. Et bien sûr, dans ce jeu, on ne peut pas aller dans l'eau. Vous voyez, si j'essaye d'aller dans l'eau, hop, ça me remet automatiquement au bord. Ok. Et je sais pas si vous avez vu, mais dans l'eau, on avait un truc là. Juste là, vous voyez, on a un rocher avec un symbole lune dessus. Marrant. Bref. Où je suis là? Ok, je suis là. Et là, vous voyez ce bouton. Alors, est-ce que ce bouton activerait le pont lune? Ah, il active toujours le même. Bon, tant pis. Autre tablette. Not long after my crash at sea, a sickness crept up over me. A pain which I'd never known. The thought that I would die alone. Et voilà, donc là, notre pauvre Lua, après s'être crashée en mer, il y a une inquiétude, une maladie, une douleur qui commence à monter en elle. La pensée qu'elle pourrait mourir toute seule sur cette île. Et ça lui faisait peur, tout simplement. Donc elle commence un peu à déprimer, la pauvre. Donc c'est... Ouais. J'espère que c'est pas ce qui lui est arrivé, j'espère qu'elle est pas morte. Hein. Alors là, une petite orbe, mais on va pas aller là tout de suite. Vous voyez que là on a une porte fermée. Et encore un piédestal, et vous voyez que sur ce piédestal, il faut qu'on amène un ananas. Alors pourquoi un ananas, je sais pas, mais apparemment... C'est ce qui nous aiderait à débloquer cette porte, je pense. Avec une autre tablette derrière. On va explorer, hein. C'est vraiment magnifique. Juste magnifique. On peut aller jusqu'à cette orbe ici, avec un autre indice. Il n'y a pas de courage sans peur. Ok. C'est vrai, ça nous aide pas vraiment, en fait. C'est soit des indices sur les énigmes, soit des petits trucs en rapport avec ce qui s'est passé ici, je pense. Voilà. Ok. J'adore cette petite musique. Ah, des papillons. Je pourrais rester... je pourrais rester des heures à me balader, genre, juste sur ce bout d'île comme ça, je pourrais rester des heures à me balader sans rien faire. bref. Mais il faut qu'on trouve un ananas. Et là, si on va de ce côté, autre indice. Cette fois-ci, c'est un vrai indice. Ceux qui explorent sont toujours récompensés. Bah alors, on va explorer. Et là, regardez ce qu'on a ici. On a une porte avec un symbole main et un symbole soleil au-dessus. Ok ? On va activer ça. Et la porte s'ouvre, la porte marche, donc c'est bien. Ok. Et là, on arrive à un autre indice. Le fruit doré pousse dans le coin. Fruit doré. Est-ce que ça ressemblerait pas à un ananas? C'est un fruit doré, un ananas. Donc voilà, c'est ici que vous trouvez l'ananas, en explorant, bien sûr. Toujours, on est récompensé en explorant. Et on va amener cet ananas sur la porte. Enfin, sur le piédestal. Normalement, ça marche. Yes. Et on a accès à une nouvelle zone. Et malheureusement, je vais devoir m'arrêter ici.
Est-ce que je peux pas faire un truc de plus avant? On va regarder cette tablette. Hanging alone in the sky, a fate shared by the moon and I. A circle round and glowing bright amidst the stars, my guiding light. Apparemment, voilà, elle était en communion avec les étoiles et la lune, qui lui servaient apparemment de repère, de guide, pour avancer en fait, pour trouver la motivation d'avancer, je pense. Elle essaye de se raccrocher à tout ce qu'elle peut pour ne pas sombrer dans la dépression, rester en vie. Et un truc que tu peux faire aussi, c'est prendre un ballon de volet et faire un petit visage dessus en mode, puis tu l'appelles Wilson, et puis ça marche, et tu te sens moins seul comme ça. C'est, voilà. Pourquoi pas, hein. Ça a marché pour quelqu'un dans un film, donc pourquoi pas ici. Alors là, voilà, encore un autre piédestal, et vous voyez qu'il nous faut trouver un symbole lune, apparemment. Et ce symbole lune, eh ben il est tout simplement ici. Ça c'est un peu con de mettre... il faut trouver ça, puis en fait c'est juste à côté, c'est un petit peu nul. Mais voilà. Hop. Et regardez ce que ça fait. Ça nous a transformé la zone ici. Et je vais m'arrêter là-dessus. Vous voyez qu'on a une porte ici. C'est à peu près la même porte que celle par où on est rentré pour prendre l'ananas. On a la main ici. Sauf que au-dessus, on a un symbole lune. La porte tout à l'heure, il y avait un symbole soleil, et elle a marché. Là, on a le symbole lune, elle marche pas. Alors, est-ce que ça voudrait dire que cette porte ne marche que la nuit? Et ici, regardez ce qu'on a, un symbole lune et soleil. Et si je me mets dessus? La nuit se déclenche. Et maintenant, tout ce qui a un symbole nuit marche. Donc voilà un petit peu la mécanique, vous voyez, ça c'est une des mécaniques qu'on va utiliser sur cet âge, sur ce monde. Je sais pas si ça va marcher dans les mondes d'après, mais en tout cas, ici c'est comme ça que ça marche. Maintenant, si on retourne en arrière, vous vous souvenez que... ici on avait un pont avec le symbole lune, donc ce pont marche. Donc la nuit, on a ce côté du pont qui marche, et le jour c'est l'autre côté. Et là, vous voyez que les rochers sur lesquels on avait le symbole lune sont sortis de l'eau, et ça nous fait un chemin pour aller jusqu'à la rune. Mais on fera ça, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais rester sur une belle vue de ce magnifique endroit. Voilà, c'est juste génial. Et j'adore ce jeu déjà. Et je pense que si vous aimez les Mislags, je pense que vous devez apprécier ce début de jeu. On va continuer la semaine prochaine avec la suite. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires à partager. Je suis très content de pouvoir faire ce jeu et je pense qu'on va bien s'amuser et qu'on va bien kiffer ce jeu tous ensemble chaque mercredi. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ce début de jeu et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. À la semaine prochaine et ciao ciao.